Montrer comment on télécharge de la musique hein, sur le web, sur un iPhone ou sur une tablette iPad. Donc la chose qui est très importante à faire d'abord, c'est d'aller dans Réglages. Vous allez aller scroller et vous allez aller cliquer sur Safari. Vous voyez ici. En cliquant sur Safari, vous voyez en bas, c'est marqué Téléchargement. Par défaut, ça se stocke sur iCloud Drive. Vous allez dire non et vous allez dire moi je veux que ça stocke sur mon iPad. Ça c'est important. Donc ça c'est fait. Ensuite on va aller chercher de la musique. Imaginons donc là je suis allée sur un site, hop je reviens un peu en arrière, qui est un site musique libre de droit, Music Screen. J'ai cliqué dessus. Je prends n'importe quelle musique, peu importe. Et donc là je vais aller dans Chamelon, j'ai cliqué sur télécharger. Télécharger, voulez-vous télécharger? Je dis oui. Et donc, normalement, hop, si je sors, que je vais dans Fichier, dans Téléchargement, j'ai bien Caméléon Zip qui apparaît. Si je clique dessus, hop, ça me met ma musique, vous voyez, qui est ici. Si je clique ensuite sur Caméléon, vous voyez, hop là, je mets OK. Si je garde le doigt appuyé dessus et que je mets partager, là je clique, je vais aller, vous voyez, si c'est ça apparaît pas, parce que hop, tout à droite sur plus, et là ça va me proposer différentes possibilités. Et là je vais cliquer sur KineMaster. Hop. Et en fait, ça va me l'ajouter sur KineMaster. Si je clique sur audio. Et que je mets sur mes musiques, il y a Mood Swing. Si je vais sur Interne, je vois bien qu'il y a Caméléon qui est apparu. Donc, ça permet d'importer directement de la musique qui a été téléchargée sur Internet. Et voilà pour le tuto, très utile.